noces de rubis pour le Rotaract d'Abidjan Lagune, version jeune du Rotary Club. Le réseau très sélect de jeunes aura séduit durant 35 ans et forgé nombre d'entre eux pour en faire des modèles, des leaders qui se rendent utiles pour les autres. Samedi 18 novembre, les membres du club service fondé sur le volontariat et le bénévolat, regroupant des jeunes de 18 à 35 ans, se sont donné rendez-vous au casino du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour célébrer la maturité. Nous ne célébrons pas seulement 35 ans d'existence du Rotaract Club d'Abidjan Lagune, mais nous honorons également la tradition de service, d'excellence et d'amitié qui était le pilier de notre club depuis ses débuts. De réfléchir à notre passé glorieux, de célébrer nos réussites et de renforcer notre engagement envers nos missions les plus fondamentales. À la tête de ces jeunes, Lamine Dao a témoigné sa fierté et toute sa gratitude aux membres pour leur soutien durant son mandat, au cours duquel ils ont ensemble développé leurs compétences professionnelles et leur leadership dans la bonne humeur. Pour nous, c'est une célébration, en joie, en sobriété, que nous effectuons aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire. Et nous espérons que ce sera encore une fois le début d'une nouvelle aventure, tout en gardant les acquis du passé. Enfin, j'étais une personne très introvertie, donc on m'a proposé comme ça d'intégrer le Rotary et que ça allait m'aider à m'ouvrir au monde et à faire porter ma voix. Et c'est dans ce sens-là que j'ai intégré le Rotary. Composé d'une trentaine de membres, le Rotaract Club d'Abidjan Lagune a également accueilli de nouveaux membres qui viendront impulser davantage l'impact de cette communauté.